Rencontre entre les deux derniers au classement. Le CA Bastia 20e accueille Nîmes 19e. Et si les Corses se dirigent vers le national, ce n'est pas encore le cas des Nîmois qui sont à 4 points de la 17e place. Une équipe de Nîmes qui doit prendre des points contre le CA Bastia. Mais les Crocos sont privés de Sartre, Kovacevic, Koura et Ogunbiyi, tous blessés. Côté Corse, Mba est toujours suspendu, Mandriki est blessé. Le CA Bastia qui reste tout de même sur 2 victoires sur ces 2 derniers matchs à domicile. Ce sont les 2 seuls succès à la maison. Énorme occasion dans ce match avec cette tête du défenseur nîmois Benoît Poulain sur la tête d'Alassane Diaye. Pas de chance pour le milieu de terrain corse car le ballon atterrit sur la barre transversale. Et c'est le gardien de Nîmes, Cyril Merville, qui s'en sort très bien. C'est la grosse occasion dans ce début de rencontre. Le CA Bastia qui essaye de continuer à attaquer de la sorte avec un nouveau ballon dans la surface. Toujours Alassane Diaye qui est bousculé. Et l'arbitre du match, Johan Roinsart, qui accorde un coup franc extrêmement bien placé à la limite de la surface de réparation. C'est une très belle possibilité pour le CA Bastia d'enchaîner et de bien finir la saison. Mais le coup franc ne donne rien. Nîmes a du mal à réagir à la mi-temps, 0-0. Des Nîmois qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres et qui restent sur 2 défaites. Et à l'occasion de ces 2 défaites, aucun but marqué. La réaction tarde donc à venir pour les hommes de René Marsiglia. Et ils vont tenter en seconde période de venir prendre ces fameux points en terre corse comme beaucoup d'équipes avant dans la saison. Avec pourquoi pas ce ballon sur le côté gauche et une possibilité d'enchaîner avec le centre. La reprise de la tête et ça passe à côté, pas de réussite pour les Nîmois qui commencent à se montrer enfin en position offensive. Mais le CA Bastia tient tête et continue à faire jeu égal. Une partie où il n'y a pas énormément d'occasion. Nouvelle possibilité avec un ballon qui a beaucoup d'effet. Ça passe très proche du poteau du but gardé par Sébastien Lombard, le gardien de Bastia. Nouvelle possibilité pour les Corses pour peut-être arracher cette nouvelle victoire. Un ballon au deuxième poteau et personne ne peut le dévier. Un ballon plongeant très dangereux qui ne donne rien. Autour de Nîmes d'avoir une possibilité de gagner cette rencontre. Le centre avec un ballon dévié mais ça revient sur Lombard. Personne ne réussit à prendre les devants. Et même si le Nîmes Olympique insiste, avec ce ballon relâché par Lombard, ça ne passe pas. Au final, c'est un match nul décevant entre le CA Bastia et Nîmes, 0-0.